Salut à tous, salut, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo les gars. Et aujourd'hui on se retrouve pour une méga rampa. C'est quoi? Cyclone méga. Ah ouais. Il a dansé la lambada. Exactement. Alors méga ramp les gars, level difficile apparemment, medium difficile, donc on va voir ce que ça donne. Waouh, effectivement. Il y a pas de ralenti, ça rampe. Ouais, ta carcasse, ça elle m'a... Eden, c'est grave ou t'es en train de faire un ralenti là? Non mais attends, je vais pas en ralenti, je me mange tous les cailloux de la terre. Waouh, je viens de capter pourquoi elle a lancé la méga rampe. Elle est magnifique, ouais. Attends. Il y a marqué Grand Theft Auto. En ce moment, c'est des rampes méga rampes GTA 6, dis donc. Bah Eden, il en a fait sur sa chaîne il y a deux jours, je me suis dit, allez, pourquoi pas. Why not? C'est vrai. Et des... Bon, du coup, c'est pas le bon logo, malheureusement, mais... Est-ce qu'elle était plus compliquée, la tienne? Elle était trop hard. Elle était vraiment hard. Ouais, vraiment. Tous les gens, ils ont rage kit, c'était ouf. Alors moi, il y a des boss qui me font... Je sais pas vous, mais... Mais attends, c'est quoi? Non, moi, je tombe à la fin, non! J'ai respawn, les gars, j'ai respawn en plein milieu de la rampe. Hein? Bah t'as de la chance. Hein? J'ai respawn en plein milieu de la rampe. Bah c'est pas possible. Ah d'accord, Bah moi, Eden, pour moi, tu t'es tapé quelqu'un en fait, et du coup, bah... Bah, j'ai respawn en plein milieu de la rampe, les gars. Ah ouais, ouais, le mec, il a de la chance, quoi, alors que nous... Je sais pas, c'est bizarre, non? En ce moment, les bugs, c'est bizarre. Hein. Wouah, la ladder! Mais tu sais que moi, je peux pas rouler, la salle, elle va trop vite. Moi, là, Osiris, elle est pas. C'est vrai que celui qui a la ladder, le pauvre, la ladder, elle est vite fait. Eh bah, je suis tombé. Elle est tombée. Aïe, je pense. Alors, moi, les gars, je t'ai rejoint. Exactement, je suis tombé exactement au même endroit. Je crois que les vitesses de pointe, comme ça, c'est pas forcément les meilleures. Hein. Bah, moi, je pense qu'il faut bombarder en vrai. T'avais quoi comme véhicule, Anune? Là, j'ai le 4x4 en deuxième. Mais sinon j'avais la cyclone. Mais en fait j'ai eu de la chance parce que vous voyez les boss là. Bah je me tapais les boss et ça me ralentissait. Ouais, par contre c'est... T'as pas chance. Je suis en arrière, je comprends rien du tout. 4x4, moi je me tape les boss, ça me... Je tombe. En fait fallait pas prendre un véhicule qui va vite en fait. Ouais, fallait prendre des non-custom en fait. Aussi ouais. Ok, là je suis en 4x4 les gars, ça passe nickel le 4x4 hein. En fait, ce qui est bien avec le 4x4, les gars, c'est quand ça prenait les boss, bah ça les prenait incroyablement bien. Et c'est bon. Ça l'est passé. Yes! Ça s'appelle comment? Eden, t'es pas passé encore. La cyclone, elle va trop vite. Moi non plus, c'est une horreur. La Osiris, elle tape de partout aussi. J'aurais dû pas prendre la Osiris. Ah, mais je vais y aller doucement et puis c'est tout, hein, j'ai pas le choix. Ok, bah pourtant, ouais, c'est vrai que Osiris, après, c'est pas. Ouais, le temps, partout, elle est bien est pour les wheel ride et tout, mais là, les méga rampes. Là, je suis passé. Ok. Pour l'instant, c'est imperfect. On va pas se porter la poisse. Parce qu'il y a la salle derrière. Si tu vas te porter la poisse, Aline. Alors, ça va, l'escargot Eden? Non, mais c'est bon, en fait, je suis passé. Je me suis mangé partout, par contre. Voilà, ça, je bombarde, moi. Bombarda. D'ailleurs, vous avez vu qu'ils ont annoncé un Hogwarts Legacy 2 quand même, les gars. Incroyable. Non. Game Over, ben si, la salle, comment? Dans combien de temps? Ça sort dans 20 à 30 ans, je pense, à peu près. Ah, ça va! Ah ouais, elle était pas mal, hein! Non, moi, pas dans un siècle. Moi, j'avais une question à vous poser, les gars, sérieusement. Tu dédicaces à Rockstar, quoi. Ok, ça aurait été pas mal. Je suis en train de tomber, je vais exploser. Mais au début de la méga rampe, en fait, il y a des pancartes, du coup, ça te fait partir en cacahuète. Ouais. Non, moi j'ai une question à vous poser, vous me répondez sincèrement, les gars. Est-ce que. Vous me dites oui ou non, quoi. Est-ce que vous trouvez que 2025 c'est trop loin ou pas la salle? Ça dépend. Alors, d'un côté, oui, parce qu'on aurait aimé l'avoir plus tôt, mais d'un autre côté, non, parce que ça leur permet de bien le peaufiner et le terminer. Et de faire le online aussi la salle parce que... De faire le online, on va avoir un super jeu donc je suis impatient, c'est sûr que c'est loin mais d'un autre côté non ça va, franchement ça va. Ça va, et toi Eden? Bah moi justement je trouve que en vrai j'étais dégoûté parce qu'on a envie tous d'y jouer. Mais comme dit la salle en fait bah c'est ça, c'est que je me dis je leur laisse le temps, ils savent ce qu'ils font. S'ils ont fait ça c'est sûrement parce que bah ils sont en train de travailler sur bien des trucs, voilà, peaufiner le truc. Mais surtout ça nous laisse le temps de se dire bon allez... un an les gars pour jouer à GTA V,
c'est fini genre après, tu vois. Donc, oui les gars, faut, on va dire adieu, adieu entre guillemets, parce qu'on pourra toujours oui, on pourra pour toujours revenir, mais... et ça se trouve qu'on le refera, mais... Non, non mais attends, là, ça, on fera quand même des Rocket Défi, non. On peut pas... On peut pas GTA... La meilleure série de ta chaîne, la salle Rocket Défi. Oui, mais si on... Oui mais si on peut le faire sur GTA 6, voilà quoi. Ce serait plus incroyable. Mais GTA, je pense, on est d'accord que GTA 6 Online ne sortira pas. Enfin GTA Online 2.0. On sait pas, ils en ont pas parlé. On sait que Rockstar ont tendance à pas le sortir tout de suite, ce qui est normal parce que bah il faut faire le mode histoire aussi. Il y a le PC les gars avant. Je pense qu'en fait ça va faire. Tout est possible. Ça va faire GTA 5 PC, console. Non. Enfin, GTA 6 console. Après PC et après online. Pas du tout. Non. Mais alors pas du tout. Non, je pense que. Ah ouais. Le PC sortira après le online, comme ça a toujours été sur tous les jeux Rockstar. Mais ouais, non, j'ai envie de me dire, allez, vas-y, un an sur GTA, même si ça fait un an peut-être de trop, machin. Ouais, mais imaginez j'ai envie de me dire, allez, vas-y, je kiffe jusqu'au bout. Non, mais les cache-cache, les gars, les cache-cache dans les nouveaux lieux, waouh, ça va être... Après, c'est vrai que ça aurait été bien que ce soit fin 2024, ça aurait été bien. Bah ouais, oui, ça aurait été bien aussi, hein, c'est ce que moi je pensais. Et hein, pas avril. Merde, on a dit que la date, le avant du coup. Après, parce que les théories disent avril 2025, donc. Mais ils disent pas début janvier, ou. Sur le t-shirt, c'est écrit avril 2025. Moi, j'ai un oncle au Maroc, en fait, il m'a dit qu'il travaillait là-bas chez Rockstar et que c'était peut-être pour la fin d'année là. Ah ouais? Et qu'en fait, 2025, c'était juste parce qu'ils sont trompés sur la date. Ah ouais? Bah, à mon avis, là, vu que ça a été annoncé 2025. À mon avis, il va arrêter de travailler, hein, ton oncle. Par contre, il y en a aussi qui disent la salle, tu vois le drapeau bleu qui apparaît au début, là, l'avion, il fait voler un drapeau bleu, un flyer comme ouais, ça. Ouais, la boîte de nuit. Non. Tu sais, au tout début, quand tu vois les bâtiments, il y a un avion qui vole avec écrit 99. Oui, le truc qui est marqué 99, machin. Mais bah, il dit genre 99, genre le 99, il sortira le 9 septembre 2025. Mais n'importe quoi. Une boîte de nuit. Ah, non, c'est une boîte de nuit. Il sortira le plus tôt parce qu'on a tout. Il regarde vachement les vidéos celui-là, dis donc. Ah ouais, il est informé. Il est bien informé. Non, mais. Mais en cette... référence non, mais à une position sexuelle. Je regarde exactement. Pas les vidéos, mais non, mais il y a cette théorie-là. Tu vois des, de... Mais je pense mais pas. Non, mais ils auraient mais moi, je pense plus c'est le t-shirt. Hein. Le t-shirt qu'ils nous ont mis dans GTA V, les gars. Le fameux t-shirt. Mais oui. Ils disent avril. Hein. Il y a fortement alors, moyen. Alors, moi, je pense que ça va arriver en avril 2025, mais après, on sait pas, parfois il y a des soucis, et du c'est coup... C'est ça qu'ils sont larges. Et voilà, et du coup ils sont larges, s'il n'y a pas de soucis, ça sort en avril 2025, et s'ils rencontrent des soucis, ils peuvent repousser jusqu'à octobre. C'est ça, et décembre grand max, mais ça m'étonnerait. Après, il y a des rumeurs comme quoi aussi, ils veulent imaginez-vous que là, on va sortir la PlayStation Pro, mais bon. Hein? Apparemment, ils veulent sortir la PlayStation Pro, machin, etc., mais dans tous les cas... Peu importe ce qui arrive, moi j'attends le jeu de toute façon, je serai là. Il peut venir n'importe quand il veut. Moi j'ai peur de deux trucs. Déjà, dans un premier temps, c'est la taille qu'il va faire. Ça pour commencer. Mais on s'en fout. Ouais, mais nos PS5 elles ont pas la capacité. Elles ont la capacité, mais t'imagines, tu devras te faire la limite supprimer tous tes jeux quoi. Bah, moi j'achète une console spécialement pour GTA. La salle il en a une aussi, je pense. La salle il a 7 consoles chez lui, je te le dis. Non, mais moi genre, vraiment j'ai acheté une console que pour GTA. Qui fait 1 tera, je pense que le jeu il fera pas 1 tera. La pro, je pense qu'elle fera beaucoup plus que ça. Je pense qu'il y aura plus de. Si on a une, moi j'ai pris la Slim déjà, comme ça je sais qu'elle est bien. Ok. Ouais. Ok. Non, mais c'est vrai que c'est. On verra comment ça va se passer, mais 2025. Dites-vous en tout cas, moi je tiens à dire que sur la chaîne j'ai fait. J'ai dévoilé quelque chose à l'une que personne n'a parlé jusqu'à maintenant. Le prochain. Garage du custom qui va y avoir le nom du garage, voilà. Ah ouais? Ah oui, j'ai parlé, faudra que tu regardes. T'as pas vu parce qu'elle est sortie aujourd'hui, mais en tout cas, voilà. Il s'appelle comment? C'est plus le LS Custom, c'est le Ride Out Custom. Ah ouais? Ride Out. Tu vois ride ça où? Out. Sur les voitures que. Dans la bande-annonce, ah bah il y a oui. un mec qui est debout sur la voiture en truc qui fait un hommage à son cousin, là, je sais pas quoi. Ouais. Et bah tu regardes, il y a marqué derrière hashtag ride custom et sur les autres voitures il y a marqué ça. Et alors LS custom, on savait que ça allait plus être LS custom puisque c'est Los Santos custom donc on est plus ouais. à Los Santos. Bah, non, mais moi je pensais que ça allait être genre bah Leonida, enfin tu sais, genre un truc en rapport avec la ville quoi. Ouais, après ça se trouve il y en aura plusieurs, ça peut être dévoilé un mais. Ou alors c'est ouais ça peut être un ride custom. Non, moi je pense pas que ça va s'appeler ride custom. Je pense mais pas. Si c'est marqué lui. Mais écoute, ride custom ça peut être quoi? Ça peut être comme le Beniz, eh oui. Ah, peut-être. Bah oui, spécialité des lowriders.
Non mais c'est un custom quoi. Oui, un custom mais spécial au rider genre. Ah oui, oui, c'est possible. Comme ouais. Le Beniz, mais je pense que le custom va s'appeler. Des nouvelles couleurs de voiture et tout. VC incroyable. Custom, ça ferait bizarre, non? VC Custom, Vice City Custom. Non, je pense pas. Après, faut regarder dans Vice City déjà comment il s'appelle. Vice Custom. A voir. Moi, par contre, je suis en mode. Okay. Il me disait bien qu'il allait tout doucement là. Ok. La salle, t'as quoi comme voiture? Parce que les autres, je pense qu'ils sont morts. Là, j'ai la. Laser. Moi j'ai laser. Un 4x4 dégueulasse. Moi, j'ai le laser, j'ai pas compris. T'as l'avion. Je sais pas. J'ai l'avion. Ok, ok. Il a l'avion. C'est toi qui as pris cette voiture. Normalement, t'as la roquette voltique après, je crois. Si t'es pas ton gros photo. Les autres, vous avez quoi, les gars? Parce que je vois, vous êtes. 4x4 Moi 4x4 j'ai une sorte de véhicule sportif. Perso. J'ai un 4x4 dégueulasse, ouais. Ah bah, moi je suis après, juste après. Oh, Nudy triche! Hein? Ah, je rigole. Comment pas ça, je triche? Non, je triche? Non, je suis tombé à la fin. Oh my god. Oh, ouais, ça, fais-moi tomber. Passer. Attendez, les gars, la chaîne, il se voit deux fois. Alors, moi, les gars, j'ai fait un 360. Il arrête, il est au milieu de la rampe, les gars. Oh! Il est pas. Il est passé au-dessus de tous les pneus. Ah ouais. What the fuck? C'est la roquette voltique. Hein. Mais lui laissez pas une roquette voltique ou une scrapjet, c'est pas possible. Il va nous faire danser la lambada, ça c'est en train de dire. Il va faire danser la lambada. Une vraie question, j'espère qu'il y aura roquette voltique et scrapjet. Pas du tout, il y aura pas. J'ai regardé, il y aura pas. Bah, non, alors tous les véhicules, il y a pas. La voltique, il y a moyen. Mais peut-être pas la roquette voltique maintenant. Oh merde. Bah, déjà, ce sera. Ce sera pas dans. Bah, tu vois, par exemple, quand tu regardes le trailer de GTA V, ça représentait vraiment GTA V au début. Donc là, au début de GTA VI, oui, il y aura pas. Après, dans le online, ils vont commencer à nous sortir les véhicules, etc. Mais de toute façon, ce sera dans le online, pas en mode histoire. Bye. Oui, c'est ce que je parle au mode online. Et ça sera d'ailleurs au fur et à mesure aussi, parce que Rockstar, ils travaillent pas les DLC à l'avance. Ils le font au fil du temps avec la communauté de ce qu'ils veulent et tout. Donc. En tout cas, j'espère que ce sera accès braquage. Surtout online. Bah, on a vu un braquage déjà. On a vu un braquage dans le trailer. Oui, mais ça doit être un prologue même ça. C'est un braquage de supérette quoi. Ouais, faut pas abuser ouais. Là. Non, déjà, le deuxième braquage. Lequel? Quand ils ont les gilets de. Un braquage de. Quand ils ont les gilets. Et ils enfoncent une porte, je sais plus quoi là. C'est pas un braquage de les banque policiers ça? Mais non, j'ai expliqué oh ce que c'était. Oh my god, ils confondent avec la police, c'est ça? Ça a rien à voir, c'est un gameplay de Jason, ça, c'est rien à voir, c'est parce que c'est un policier dans la vraie vie, enfin dans le truc. Ah. Ok, j'ai la roquette. Wow, par contre, les gars, j'ai sauté tel un sauteur, hein. Il y a moins que vous me rattrapez. C'est des théories, quoi. Ok, ouais, bah, il y a. Ouais, la salle, t'en penses quoi cette théorie? C'est vrai que j'avais Eden aussi et Ryzek, vous en pensez quoi, les gars? Il y en a qui disent que ce serait un flic infiltré, genre Jason. Bah, non, c'est pas un flic infiltré. Enfin, c'est un flic. C'est une théorie parce qu'il porte un pantalon du SWAT Miami et tout, mais moi j'en ai parlé. Après, je sais pas, chacun fait sa théorie, mais je pense que effectivement c'est possible que ce soit un policier de stupéfiant machin et qui déraille un peu quoi. L'histoire elle serait pas mal. Qui tombe amoureux, genre il est amoureux d'elle quoi. Ouais, un genre de. Ouais, c'est ça un peu. Parce qu'en vrai, quand tu vois le trailer, t'as l'impression que c'est elle qui domine le couple, tu vois ce que je veux dire? C'est... Non, mais ça, c'est fait exprès. C'est, fait exprès. Ah, c'est normal, il est axé sur elle. Attends, on va voir le sien après. Ouais, ah oui, là, c'est que sur elle en plus, c'est vrai. C'est le trailer 1, quoi. Bande annonce 1, bande annonce 2 et bande annonce de lancement pour la publicitaire. Parce qu'il y aura 3 trailers, comme Red Dead, je pense. Red Dead, il y en a eu 3, je crois. 3 ou 4, je sais plus. Mais ouais, après, il y a des trailers qui sont différents pour la télé, il y a des trucs. Ouais, on verra bien. Mais en tout cas, c'est vrai que. Où est-ce qu'il est mon truc là parce que j'ai pas envie de. Moi je vois que vous avancez beaucoup et vous attendez personne. Moi je vois ça. Alors moi je suis au point final. Moi je suis avec la JB700 perso. Moi je suis avec la JR700. Je suis avec la JR Wellbrech. Ah ouais. Tu vas avoir la Rocket Voltique. Ouais. J'ai la Rocket Voltique. La salle t'es en quoi? En avion. Bah là je suis en rien du tout, ouais, parce que je suis toujours en avion. Waouh, incroyable de booster en arrière. La voiture là les gars. Waouh.
Ok. Ah ouais, okay. Oh bah je suis tombé. Waouh, wow. Okay. Je suis en train de faire des dingueries avec la voiture. T'as quoi, les gars. Quoi, Isaac, là? J'ai la JB700, c'est juste après la roquette Volchik. Ok. C'est qui a... C'est Enun? Ouais, salut. Bonsoir. Oh là là. Allez, fonce! Ah ouais, le mec veut me faire danser la lambada, quoi. Arrête! Moi, je rebondis sur une poste, c'est une horreur. Il va me rattraper! Oui! Wow, j'ai chaud! Il était juste derrière le rat de la salle! J'essayais de le pousser, je voyais que t'arrivais à fond, mais bon. Dommage, dommage. Bien joué, bah écoutez, les gars, vous êtes donc classés malheureusement.